No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. It's an incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever changed for Maryland. Along the state's flood zone. He and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Donc, la constellation suivante, c'est la constellation du Bélier. Et nous allons y aller à ce fameux Bélier-là. Le voici. Est-ce que le Bélier est en plein milieu? Pas tout à fait. Il nous apparaît assez clair que là, il est assez dans le centre. Si on regarde le prolongement de la corne ici, le bout de la queue ici, on est pas mal dans le centre. On a donc 23 degrés, ça a légèrement diminué. Et par contre, on voit que le Bélier est un petit peu plus bas que le Taureau. Et on va continuer. Après le Bélier, vous avez le Poisson. Et regardez de quelle façon violente. On part d'une constellation ici, le Gémeaux, le Taureau et le Bélier, vous êtes d'accord? À 23 degrés versus 24 degrés versus le milieu du Gémeaux qui est à 25 degrés, ça joue de 1 à 2 degrés en trois constellations. Maintenant, regardez bien du Bélier au Poisson, à quelle vitesse le nombre de degrés chute lorsqu'on place le Poisson exactement en plein milieu de l'Est. Vous allez être vraiment surpris. Maintenant, il faut aligner le Poisson en plein centre. On est pas mal en plein centre. On regarde, on est à 7 degrés. Je suis parti de 23 degrés. Je me retrouve à 7 en une constellation. Écoutez, c'est vraiment exceptionnel. Parce que si on en revient à l'orbite de Planète X qu'on vous a montré, on vous a expliqué que son ascension se fait tranquillement au niveau du nombre de degrés et va monter tranquillement au niveau de l'écliptique, ici, et va éventuellement, quand elle a atteint sa périhélie dans le Taureau, va descendre de façon abrupte, violente, et elle va descendre très, très, très rapidement, en peu de temps, en balayant peu de constellations, et va se retrouver rapidement sous l'écliptique. Et c'est ce qu'on constate, on part du Taureau. On a le Bélier qui est ici. Et après ça, on a le Poisson. Donc, dans le Bélier, on était encore quand même assez élevé. On était environ ici, où est-ce que j'ai mon curseur, un petit peu en bas, à cette jonction-là, ici. Et après ça, on se retrouve précipitamment. On descend d'une façon violente, rapidement, pour se retrouver environ à traverser l'écliptique dans le Poisson. Et regardons ce qu'on a comme degré. On a vraiment, si on regarde dans le milieu du Poisson, on a 11 degrés. On est presque à pénétrer dans le Poisson. Et on va pénétrer dans le Poisson un peu plus loin. Je vais vous montrer où. En faisant avancer les zodiacs devant nous. Eh bien, voyez-vous.
on traverse l'écliptique à la fin du poisson. Et on est à la jonction du Verseau et du poisson. C'est exactement ce qu'on vous a expliqué depuis le début. Et avec le sac céréalier où on nous montre que l'objet ressort entre le poisson et à la jonction du Verseau. Maintenant, si on va à la constellation suivante, qui est le Capricorne, vous voyez, on voit le Verseau quand même assez bien. Je vais aligner cette ligne-là de façon qu'elle soit vraiment horizontale, très droite. On voit le Verseau, et vous allez voir, le Capricorne va être plus bas, parce qu'on va le voir quasiment se perdre ici. Donc, on y va. On s'arrange que le Capricorne soit vraiment à 50-50, c'est-à-dire centré vis-à-vis le symbole de l'Est. On voit la queue ici du Capricorne, on voit sa patte, on est vraiment assez bien centré. Si je réaligne cette ligne-là de façon qu'elle soit la plus droite possible, horizontale, on voit que le Capricorne est en train de descendre de l'écran, on le voit se perdre. Et si je retourne au point d'origine, c'est-à-dire on voit le Sagittaire ici n'est pas encore placé de telle sorte qu'il soit au centre. Ici, on ne serait pas pire comme ça. Je mets la ligne droite, on ne le voit même plus. Et le Capricorne, et le Scorpion, et la Balance. En fait, le prochain, c'est la Balance. Non, excusez, c'est le Scorpion. On retourne au Scorpion. Eh bien, voyez-vous, il n'est plus question, on ne le voit pas du tout. Et il est très, très bas, très, très, très bas. Voyez-vous, je suis obligé de vraiment d'aller chercher ça extrêmement bas pour voir le Scorpion. Donc, on a fait le tour en 24 heures de l'orbite en nous donnant les déclinaisons, en nous montrant en plus physiquement que le bon Nibiru part du Scorpion, et quand on regarde vers le Scorpion, il apparaît le plus bas sous l'écliptique selon vraiment un orbite. Et en plus, ce qu'on semble voir, c'est vraiment une certaine forme elliptique, parce qu'on a vu qu'un certain nombre de degrés, quand on arrive dans le Lion, le Cancer, le Gémeaux et le Taureau, on part peut-être de 15 degrés, on monte à 24, il y a un écart de 10 degrés entre 4 constellations. Et subitement, quand on part du Taureau, on a le Bélier, c'est encore stable, mais du Bélier au Poisson, là, il y a une chute comme de 15-17 degrés en une constellation tout à coup. C'est justement la preuve que c'est exactement ce qu'on voit dans des orbites elliptiques, c'est-à-dire où vous vous retrouvez avec des virages prononcés aux extrémités de l'orbite elliptique, c'est-à-dire en aphélie. Vous voyez le degré de virage est beaucoup plus prononcé en extrémité que lorsqu'on est sur les côtés le long de l'orbite elliptique. Ici, vous avez un changement de l'orientation de l'orbite qui est très, très, très peu prononcé. Mais quand on arrive aux extrémités, on constate que le changement se fait soudain. En peu d'arcs d'orbite, on va balayer beaucoup plus de constellations. C'est justement la caractéristique d'une orbite elliptique. Et c'est ce qu'on constate quand on regarde les cieux vers l'est et qu'on se met à la place du Sphinx. Et vous pouvez faire le même exercice avec l'obélisque à Washington, vous allez arriver au même résultat. Et c'est vraiment incroyable comment les cieux nous racontent des choses qui sont absolument inouïes. Il s'agit juste d'être ouvert et de regarder et d'ouvrir son cœur et de pouvoir constater que ces choses-là existent. Et c'est là qu'on... Des fois, on dit la phrase « quand la fiction dépasse la réalité », eh bien, effectivement, on a été extrêmement surpris de s'apercevoir de ces choses-là. Et encore une fois, la Bible est véritable, et car elle nous dit, elle nous parle de ces choses-là, et on va vous montrer des versets qui vous parlent que les étoiles nous démontrent, nous indiquent les choses historiques. Les étoiles qui ont été créées par Dieu nous parlent des vraies choses, des choses palpables qui se passe sur Terre. Et ça, c'en est une. Un très bon exemple.